Bonjour, je suis Catherine, membre de la Maison des familles de Mercier-Est. Dans le fond, aujourd'hui, on est ensemble pour, je vais vous présenter quelques petites recettes pour des produits maison. On va commencer aujourd'hui par le déodorant pour peau sensible. Parce que, voyez-vous, moi, j'ai déjà essayé des déodorants maison avec bicarbonate de soude. Je fais des réactions, j'ai une peau vraiment très sensible. Donc, je vais l'essayer aujourd'hui avec vous. Je ne l'ai pas testé. Je vous ferai un retour peut-être plus tard là, pour le produit, mais j'ai bien hâte de faire ça avec vous. Donc, on va commencer par les ingrédients nécessaires. Moi, je les ai déjà mesurés, mais pour vous à la maison, vous allez devoir le faire au fur et à mesure. Donc, on a besoin de 30 ml de cire d'abeille râpée ou en petits morceaux. 30 ml, ça équivaut à 2 cuillères à soupe. Ensuite, 2 cuillères à soupe de bicarbonate, pardon, de beurre de karité. 60 ml ou 4 cuillères à soupe d'huile de noix de coco. 45 ml ou 3 cuillères à soupe, pardon, de fécule d'arrowroot. C'est un fécule de maïs un peu, c'est un peu comme le fécule de maïs, mais l'arrowroot est plus fin encore et plus doux. Donc là, en fait, dans la recette, ça dit 45 ml ou un petit 10 ml de plus si vous voulez un effet plus sec de votre déodorant. Donc, moi, je l'ai déjà mis là, à l'intérieur. Donc, en fait, j'ai 55 ml de fécule d'arrowroot. De l'argile blanc, 2 cuillères à soupe, 30 ml. Et de l'oxyde de zinc, encore 2 cuillères à soupe, 30 ml. Je vous le dis tout de suite, dans la recette, c'est mentionné de faire attention. L'oxyde de zinc, c'est un produit, une poudre très blanche qui peut des fois laisser des traces sur les vêtements. Donc, quand vous l'appliquez, ils disent laissez sécher comme il faut là, avant de mettre vos vêtements. C'est important. Puis, des huiles essentielles à votre choix. Vous allez voir avec en bas de la vidéo, il va y avoir un papier avec la liste recommandée, dans le fond, des quantités d'huiles essentielles et des choix. Moi, j'ai opté pour l'huile de palmarosa, qui est très, très recommandé justement pour les problèmes de peau sensible, pour les odeurs et tout ça. Et la sauge clary, qui est très bonne pour la transpiration, pour calmer la transpiration. Je suis une personne qui transpire beaucoup, donc avec la sauge clary, ça va diminuer la transpiration. Ça sent un peu les herbes. C'est pas trop floral ni trop fruité. Mais vous allez voir dans la liste des choix en bas, il y a d'autres produits, d'autres variétés à faire. Pour les matériaux, ça vous prend un bain-marie que moi j'ai déjà préparé en fait. Un petit bol en bas, en métal dans un chaudron rempli d'eau. Ça vous prend des cuillères et tasses à mesurer. Moi, j'en ai pas besoin vu que c'est tout fait déjà. Une spatule. Donc, une spatule. Un contenant ou un pot propre de désodorisant. Soit vous utilisez un contenant désodorisant. Ça se vend en vide déjà comme ça dans les magasins. Vous pouvez utiliser un de vos contenants à la maison. Qui est vide puis que vous avez pré-nettoyé. Il y a aussi la possibilité juste de le mettre dans un moule extérieur, mais c'est sûr qu'après, il faut le manipuler avec les mains pour l'appliquer. Selon la recette, selon les trappeuses où j'ai pris la recette, le déodorant qu'on essaye aujourd'hui ne coule pas l'été. Ça ne va pas fondre. Donc, à suivre, mais ça devrait être bon. Alors, on commence par tamiser l'oxyde de zinc, la fécule d'arrowroot et l'argile. Un petit mot.
un tamis. Et on mélange nos produits. Un peu de poussière, vous pouvez, si vous voulez, utiliser un masque. Des fois, ça peut être pratique pour pas s'étouffer. Voilà, donc tous mes produits sont dans mon premier bol. On met de côté. Ensuite, au bain-marie, on fait chauffer. Donc, on barre notre eau, bien sûr. On fait chauffer le beurre de... On fait fondre la cire en premier, pardon. On fait fondre la cire. Puis, quand ça va être fondu, on va ajouter le beurre d'arôme. Le beurre de karité. Je vais commencer à ouvrir mon beurre de karité parce que ma cire d'abeille est en train de bien fondre. Ça sent bien, ça sent bien, bien. Yep. Je vous suggère aussi d'utiliser un bol de métal que vous allez réserver à vos produits nettoyants maison parce que bon, la cire d'abeille, ça colle. Ça colle sur les spatules, ça colle dans le fond du bain-marie. Donc, ça peut être le fun de les réserver pour ça, vu que si vous avez l'intention d'en faire plusieurs, bien sûr. Donc, ça y est, ma cire d'abeille. Il me reste un petit morceau, on ne lâche pas. Elle est fondue. On ajoute le beurre de karité. Bon, on les fait fondre. Cire d'abeille, beurre de karité et finalement l'huile de noix de coco. Donc, une fois que tout est bien fondu, on retire, on va fermer le four. Hop. On retire notre mélange de l'eau. Et on ajoute les poudres qu'on avait tamisées au départ. On mélange. On met notre mitaine pour tenir notre bol de métal parce que ça va être chaud, hein? Il était sur l'eau chaude, l'eau bouillante. Si vous voyez à l'intérieur, dans le fond, c'est bien liquide, c'est blanc. C'est indiqué qu'on laisse un petit peu dans le fond reposer le temps que ça refroidisse et que ça épaississe. Puis ensuite, on va pouvoir ajouter nos huiles essentielles. On a attendu à peu près 5 minutes. Notre mélange commence à être vraiment comme un yogourt épais. On le voit qu'il... Je sais pas si vous le voyez bien, mais il est tout dans le fond. Là, puis, il reste plutôt figé. Donc, pour les huiles essentielles, c'est 24 gouttes. Donc, 12 de sauge clarée et 12 de piment rosa. Ça se peut qu'il y en ait 13 ou 14. Ça devrait pas trop. Des fois, ça coûte plus vite qu'on pense. Et 12. Et voilà. Ça sent très bon. Bien sûr, il faut enlever les odeurs d'herbe un petit peu concentrées quand même. Mon pot désodorisant vide, si jamais c'est un pot usagé, n'oubliez pas de redescendre, bien sûr, le fond hein, avant, parce que vous ne voudriez pas vous retrouver que ça déborde. De... Donc, ça vous donne l'équivalent à peu près de deux pots de, si je me souviens bien, c'est des 45 millilitres, les contenants. C'était très agréable d'être avec vous aujourd'hui.
Vous laissez sécher votre produit à la température pièce. Puis quand ça va être prêt, ben, essayez-le. Bonne journée!